Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de Yoga Lats pour renforcer et étirer la chaîne postérieure. En particulier, on va renforcer les fessiers et étirer les ischio-jambiers. C'est parfait pour le monde qui passe beaucoup de temps dans les activités sédentaires. Alors, c'est parti. Installez-vous vers l'avant de votre tapis. Placez vos paumes en dessous vos cuisses et on va doucement dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour arriver couché sur votre dos. Fermez les yeux. Placez une paume sur votre ventre et l'autre sur votre cœur. Remerciez-vous pour votre présence d'être ici aujourd'hui. Reconnaissez votre courage et votre force intérieure. Et doucement, commencez à observer le souffle. Observez les sensations dans le corps ou dans l'esprit. Et rappelez-vous que la respiration est toujours ici pour vous guider tranquillement dans le moment présent. Doucement, ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être vous aimerez créer des cercles avec les genoux, les hanches. Relâchez vos épaules. Très bien. Doucement, retournez le pied d'aplat sur le sol. Les talons sont en dessous les genoux et on va soulever le bassin, le bas du dos, le milieu du dos pour arriver dans la posture du demi-pan. Et expirez doucement, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Continue comme ça. Vous avez l'option de soulever vos bras, la paume en face, l'une vers l'autre. Chaque fois que vous soulevez votre bassin, contractez vos fessiers, vos ischio-jambiers et l'intérieur de vos cuisses. Essayez de créer une ligne diagonale entre vos genoux, vos hanches et vos épaules. Laissez la respiration vous guider ici. Maintenant, on va faire le même mouvement un peu plus rapidement. Poussez fermement dans votre salon. Allez, courage! La prochaine fois, on va garder le bassin soulevé et on va faire de petites pulsions. Soulevez et abaissez votre bassin quelques centimètres. Ressentez le renforcement de votre corps. Deux pulsions de plus. Ensuite, gardez le bassin soulevé. Entrelacez vos doigts en arrière de votre dos. Rapprochez vos omoplates l'une contre l'autre. Ouvrez la poitrine. Et respirez ici profondément.
dernière respiration. Magnifique, doucement déroulez la colonne vertébrale, genou vers la poitrine. Peut-être vous aimerez basculer vers la gauche et vers la droite quelquefois. Observez l'expansion dans la région de votre bas du dos. Peut-être vous aimerez créer des mouvements organiques. Écoutez votre corps. Écoutez votre voix intérieure. Doucement retournez vos pieds au sol. Encore, on va soulever le bassin dans la posture du demi-pont. Gardez le bassin en haut. Placez vos paumes en dessous de la région sacrale de votre dos pour supporter votre bassin. Appuyez sur votre pied droit. On va inspirer, plier les genoux gauches, ramener les genoux gauches vers la poitrine. Et peut-être vous aimerez allonger et tendre cette jambe. Pointu et fléchis le pied quelquefois. Gardez le bassin stable. Observez le renforcement de votre jambe droite et l'étirement sur l'arrière de votre jambe gauche. Magnifique! Retournez votre pied gauche au sol et cette fois, nous faisons le même mouvement avec la jambe droite. Prenez la variation qui est bonne pour vous. Très bien, retournez votre pied droit au sol, réallongez vos bras le long du corps et redressez le dos, genoux vers la poitrine. Faites ce petit mouvement ici pour enlever des tensions, pour reconnecter avec votre souffle. Retournez vos pieds au sol. Cette fois, on va faire une demi-pont. On va soulever notre bassin. On va appuyer sur le pied droit. On va soulever et allonger la jambe gauche. Gardez les deux genoux en ligne. Pointez le pied. Pliez les genoux vers la poitrine. Soulevez les jambes. Et abaissez cette jambe. On plie. On soulève. Et on abaisse. On plie. On soulève et on abaisse. Juste comme ça, deux fois du plus. Assurez que votre bassin est stable. Et on va changer les directions. On soulève, on plie et on allonge. On soulève, on plie et on allonge. Dernier cycle. Bien, retournez votre pied gauche au sol, gardez le bassin soulevé, allongez votre jambe droite et c'est parti. On plie, on soulève et on abaisse. On plie, on soulève et on abaisse. Trois fois du plus dans cette direction. Maintenant, nous faisons la direction opposée. On soulève, on plie, on allonge. On soulève, on plie, on allonge. Très bien, retournez votre pied droit au sol, déroulez la colonne vertébrale, genoux vers la poitrine. Ça, c'était notre dernier exercice de renforcement. Maintenant, nous avons quelques étirements actifs et passifs pour continuer avec notre séance. Maintenant, entrelacez vos doigts sur l'arrière de votre cuisse gauche et on va allonger et replier cette jambe quelques fois. Doucement, bougez cette jambe.
on réchauffe l'arrière de la jambe. Et si c'est une option pour vous, on va garder la jambe tendue, soit avec le pied pointu ou fléchi. Si vous fléchissez le pied, l'étirement serait beaucoup plus intense pour les ischio-jambiers et le mollet. Et vous avez aussi l'option d'allonger votre jambe droite, appuyer sur votre talon droit. Si vous aimeriez un étirement plus profond, vous pouvez prendre l'extérieur, l'arrière de votre mollet, de votre cheville ou de votre pied. Respectez vos possibilités d'aujourd'hui. Très bien, d'ici on va faire la posture du pigeon couché. On va plier le genou droit, on va placer l'extérieur de notre pied gauche contre le cuisse droit. Gardez votre pied gauche fléchi pour protéger l'articulation de votre genou. Observez les sensations dans l'extérieur de vos fessiers. Doucement retourner le pied au sol, on va faire le même exercice avec la jambe opposée. Cette fois, prenez l'arrière de votre jambe droite, pliez et tendez cette jambe quelques fois. Et peut-être vous aimeriez garder la jambe droite tendue. Prenez la modification qui est bonne pour vous. Maintenant, posture du pigeon couché avec la jambe droite croisée par-dessus de la jambe gauche. On va terminer notre séance dans la posture de Shavasana. Peut-être vous aimeriez étirer votre corps dans la direction opposée. Et quand vous êtes prêt, installez-vous dans une position confortable. Fermez les yeux et détendez-vous complètement. Utilisez la respiration pour vous guider dans le moment présent.
vous êtes invité de rester dans la posture de Shavasana pour aussi longtemps que vous voulez. Sachez que cette pratique est toujours ici pour vous. Remerciez-vous pour vos efforts d'être ici. Je vous souhaite une journée paisible et remplie d'amour. Merci beaucoup. Namaste.